connais pas, c'est fort chez nous ici. Allez. Vraiment, on a fait pas passer en voiture. De Toulouse, ben on a pris l'avion. Doucement. J'étais identifié dans cette vidéo. Je veux te dire, parce que tu es une menteuse indétérée. Je veux parler calmement aujourd'hui, peut-être parce que j'écris souvent. Parce que le rôle que tu m'as montré là, que tu es caïdé là, je vais te dire que tu n'es pas une caïdé, Doudou Ngama. Tu es une menteuse. Une menteuse. C'est la veuve joyeuse, hein. C'est moi la veuve joyeuse qui te parle, hein. Prends ton chapeau. Moi, c'est mon rôle, c'est me promener avec ma petite. Je suis bébé-citer de ma petite fille. Je te parle comme un copain, tranquillement. Et que tout l'invoque dans l'invoque petit et tout ça, écoute ce que je veux dire. Tout d'un coup, tu manques tout. J'ai appris certaines choses. Tu as fait comment pour aller travailler au mariage d'Élise Battante? Dis-moi. Parce qu'il faut qu'on remet l'église à la place du village. Parce que j'ai l'impression que, parce que tu penses que tu parles trop, j'ai l'impression que tu penses que, bam, comme tu cries. Quand tu vas montrer que c'est toi, c'est toi, tu me connais où? Mais oui, je me demande. Tu es malade là? Moi, j'ai zéro paix avec toi, hein? Zéro paix. Moi, il y a que mère, parce que tu me parles, tu es une petite menteuse. Hein? Avant que j'ai le problème avec toi, quand on est parti au mariage d'Élise Battante, je vous explique la genèse. Voilà, un jour. Comme elle aussi, elle vendait les produits. Parce qu'elle aussi vendait les produits de notre marque de magie. Qu'on appelle Liliane Mengue. Donc Liliane Mengue, elle vendait souvent les huiles là et les sacs. Doudou Ngaba, tous les petits sacs qu'elle portait, c'était les sacs de Liliane Mengue qu'elle portait. On est d'accord là. Elle porte. Elle fait qu'elle fait la publicité, elle ne fait pas la publicité. Elle prend les choses, elle ne rembourse pas. Oui. Faut qu'elle prenne maintenant là. Il ne sait pas ce qu'il y a eu entre eux. Dans la table, il y a un gars qui a fait un chèque de 1000 euros posé sur la table. Il y a un gars qui a pris le chèque de 1000 euros. Elle a volé, pas pris. Elle a volé le chèque de 1000 euros. C'est dans sa sac. On est venu se plaindre que, mais si elle t'a volé tes 1000 euros, il faut aller faire opposition à la banque. Elle n'a pas répondu. Ou elle avait peur de Doudou Ngaba. Je ne sais pas. Vous voyez maintenant que le mariage de Élise Battante arrive. Hein? On est tous ensemble, hein? Voilà, comme Élise Battante a invité tout le monde, mais c'est comment on appelle ça, marque magie. On appelle Liliane Mengue. C'est Liliane Mengue qui devait venir, qui devait partir préparer, qui devait chercher quelqu'un pour préparer la nourriture. Et moi, j'ai dit que non. Comment ça? Il y a un problème. Doudou Ngaba est là avec nous. C'est notre Mojang, dans notre tout le WhatsApp. Elle aussi, elle prépare, je vois comment elle fait des prestations. Elle veut préparer. On lui donner ça à Liliane Mengue. Que Liliane Mengue ne peut pas, Liliane Mengue doit donner ça à quelqu'un d'autre pour venir faire des prestations. Mieux donner à Doudou Ngaba. Oui. Et Doudou Ngaba et moi, comme d'habitude, on est dans les problèmes. On passe comme ça. On parle là-bas. Non, pas de glace. Hé, madame. Madame. C'est grand-mère, hein. C'est pas ta mère là. Ta mère va arriver à 3h du matin. Donc, avance doucement. On y va. Et Waros, écoutez bien l'histoire. C'est comme ça que je refuse que nous. On ne peut pas. Liliane Mengue peut venir au mariage avec nous. Mais, il faut qu'on donne le marché à Doudou Ngaba. Élise Battante a payé près de 2000 euros à Doudou Ngaba pour préparer la nourriture du mariage. Et sans vous mentir, Doudou Ngaba avait bien fait le travail avec ces gens parce qu'elle travaille toujours avec en famille. Il y avait beaucoup de nourriture, il y avait tellement la nourriture qu'on a mangé, même tout le monde est rentré avec la nourriture chacune chez nous. On est d'accord. Et Nangwe, viens prendre ça, dis donc.
Hein, donc vous mettez les. Vous voyez comment quelqu'un mettait de moi, vous ne cherchez pas la personne. Hein? Voilà maintenant alors comment. On propose non. Il y a même se fâche que non, elle n'est pas elle venue au mariage d'Élise Battante parce que Doudou Ngaba est là. Et maintenant je vais essayer de savoir alors pourquoi elle ne veut pas venir. Elle raconte l'histoire d'agence. Que Doudou Ngaba lui allait voler 1000 euros, le chèque de 1000 euros que vous connaissez là. C'est tout. Et Doudou Ngaba, moi on était aussi dans les problèmes et tout. Mais quand même, Doudou Ngaba, moi je peux te dire que je te dépasse en tout. Parce que moi j'ai cherché le marché pour toi. C'est moi qui ai fait en sorte que tu prestes chez Élise Battante. Hein? C'est moi, tu vas faire quoi dans la vie? J'attends les histoires là que tu dis que quoi? Quand nous sommes arrivés à là-bas, en Bretagne là-bas, hein? Je suis parti là-bas avec Amazon et le copain d'Amazon, on est tout dans la voiture. Toi, on t'a trouvé là-bas quand c'est venu avec sa copine, comme d'habitude, elle toujours avec ses femmes. Hein? On était là-bas de tous. Ta chambre était à côté de l'ascenseur. Quand ça chicote était au milieu, comme d'habitude, moi, je suis tué derrière là-bas. Tu es entré dans ma chambre quand? Pour venir faire quoi quand? Hein? Qu'est-ce que tu es venu préparer dans chez Élise Battante? Chez Élise Battante, tu es venu préparer, ce n'est pas grâce à la veuve joyeuse. Ce n'est pas grâce à moi. Tu as déjà fait quoi pour moi dans la vie? Hein? Je me suis mis dans les problèmes avec Liliane à cause de toi parce que j'étais défendu. J'ai dit que non. S'il y a un mariage à faire, c'est toi qui dois préparer dans le mariage d'Élise Battante. Pas qu'on va parler de quelqu'un d'autre qui va venir préparer, on se regarde venir préparer. J'ai dit non. Et tu parlais quoi là? Maman, tu regardes toi, tu peux faire quoi à qui? Moi, je t'ai aidé. Hein? Je te mens pas. C'est moi qui entends tout que tu es le contrat d'Élise Battante. Tu vas remercier un jour, non. Tu dis que le jour là, si tu pouvais entrer dans ma chambre, tu allais faire dans ma chambre. Il va aller venir, non? N'est-ce pas après, j'ai parlé avec ton mari. Oui? N'est-ce pas ton mari, bon, on a parlé. Ton mari a dit que oh, il était fâché ce que j'avais fait et tout. Et moi, je me suis expliqué que toi aussi tu as fait ça parce que tu es très blanche. J'ai dit à ton mari devant toi que tu es trop lâche. À quel moment tu es dans ma chambre? Il fallait entrer. Tu veux toujours montrer que tu es caïd. Que tu peux me faire quoi dans la vie? Tu mens, tu es une menteuse. Tu as déjà fait quoi à qui la veuve joyeuse? Quand c'est toi qui m'a commencé à me demander de faire l'enganda. Et là, nous, c'est la menteuse, va. Toi, si. C'est toi qui m'a fait faire l'enganda. Que ma chambre, c'est pas vraiment, hein. Tu sais pourquoi je t'aime pas? Tu sais? Parce que tu veux te donner le bon rôle dans l'histoire. Mais le bon, ça va s'arrêter avec moi, parce que moi, je te méprise. Je te dis, je sais qui tu es, mais demande à tout le monde, je me suis battu. D'accord? Je me suis battu en tant que tu peux pas prester chez Élise Battante, c'est moi qui ai donné le contrat. Parce que Élise Battante, et en même temps, Élise Battante venait me supplier les excuses à Paris. Elle voulait que c'est elle-même qui va faire les prestations, donc c'est elle qui va chercher quelqu'un pour faire préparer à son mariage. C'est là que j'ai mis le pied, que non. Ce n'est pas elle. Que c'est Doudou Ngaba. C'est moi qui t'ai donné le marché de Élise Battante. Tu m'as dit merci un jour. Tu vas te donner le bon rôle. Le bon rôle. C'est toi qui as fait que je fasse l'enganda. C'est toi qui as fait ceci. Tu es malade ou quoi? Je suis bête, moi. Que toi, moi, je zéro péché, tu as dit que tu veux me tuer. N'est-ce pas? Allez signaler ses comptes. Allez vous signer. Quand vous signez, je vais vous signaler sa page. Je vous en supplie. Vous signez. C'est facile de signaler. Il y a trois petits points en haut. Vous tapez là, vous signaler aussi sa page. Elle veut te donner le bon rôle. Tu as quel bon rôle? Tu es une menteuse. J'ai dit que tu n'as pas de contrat, mais j'ai dit poste. Tu n'auras jamais aucun contrat. Tu ne vas pas prester là-bas. Tu n'as. Avec moi, quand on a un problème, hein? Parce que tu mens. Mais tu vas te prendre pour qui? Tu me prends pour qui, moi? Mais j'ai une vie, bordel. Donc, c'est quoi toi qui vas arriver hier que je suis jalouse de ta misérable vie? Hein? Là-bas, là, vous êtes à Fougerolles, là-bas, vous êtes à Fougerolles, vous savez quoi? Hein? Ils ont signé ma page là-bas, parce qu'il faut que je gagne l'argent. Hein? J'ai peur de toi, Elise. J'ai peur de toi, Doudou Ngaba. Je te demande, pourquoi je ne sais pas où j'ai peur de toi. Hein? Viens camper devant ma porte, merci. Tout le monde finit l'histoire-ci. Donc, toi, tu me minimises parce que je suis petite, et tu veux sortir ta grosse gorge profonde là chez la pauvre joyeuse. Hein? Ton mari t'a demandé de laisser. Regarde-toi. Le mari t'a demandé de laisser. Mais tu me prends pour qui? J'ai dit que Doudou Ngaba, tu me prends pour qui toi? Tu es un enfant? Moi j'ai construit, hein? J'ai eu des voitures, j'ai tout eu avant toi. Tu entends tout? J'ai mis les pieds à l'Europe avant toi, j'ai baisé depuis la prison, j'ai niqué tout, j'ai tout fait dans ma vie avant toi. Donc ferme ta gueule. Je dis Yami,
Comment celle-ci? C'est ma petite taille qui vous fait que vous me méprisez. Viens camper en bas de ma maison. Toujours menacé, viens mettre tes menaces en exclusivité ou c'est quoi? C'est rien que ça. Ah. Ah, attends d'abord, je vais d'abord boire un verre ici gratuit. Je vais d'abord boire ici. Ah, qui est là? Soleil. Prends ton chapeau, tu déranges. Oh! Aïe. Ah. Maman, dis-toi si mon Rwanda cette manga. Tu dis que j'ai peur de toi. Tu penses que j'ai peur de toi. Dis à Suren, dis donc, je rentre après, tu viens me taper. Dis-toi, je te méprise. Je t'écrase quand je veux, je m'en fous. Tu as fait le cabillon, hein. Moi, j'ai fait l'école d'Aqua. Oui. Ne crois pas que quand tu crois que je suis seul. Je t'ai dit depuis hier que ce ne sont pas des menaces. Je ne te menace pas. Parce qu'il y a une vidéo que tu m'as menacé de mort. J'ai la vidéo là. Mais ce qui est marrant, c'est que vous n'avez pas signé la vidéo là où elle me menace de mort. Quand elle va venir camper devant ma porte. Mais vous avez signé pour la petite cochonne là ce matin. C'est quoi? Hein? Mmh. Je là. Maman, tu, même ton mari t'a dit que vas-y seul. Dieu me tue, non, tu sais que j'ai peur de toi, ça m'a j'ai peur de toi. Et que tu dis que j'ai peur de toi, s'il te plaît. Regarde-moi très bien. J'ai traversé les mers, j'ai vu ma vie, j'ai... Maman, je connais tout avant toi, j'ai eu de l'argent avant toi. Hein? Hein? Venez camper, ma... venez camper chez moi, vous me tapez. Je vous dépasse, je vous terrasse, vous tous avez ma bouche. Parce que moi, je n'ai pas la force pour vous taper, vous tous. Hein? Comment quand elle venait chez moi, viens aussi chez moi. Tu mais la façon qu'elle parlait souvent, comme si tu vas venir me chez, tu vas venir entrer dans ma maison, ou bien me voir dehors, tu vas m'attacher, mais tu vas me fouetter. Je ne veux rien, je veux t'allumer, tu vas comprendre. Regarde-moi, c'est le problématique ou c'est le quoi. Regarde, on va d'abord faire le régime pour venir me taper. On y a quoi, son? C'est bien qui ça? Ah. Oh, je peux me quoi ici, pardon. Hein, donne-moi une bière ici. Là-bas. Et ça là? Non, une bière. Ah, ça se vend. Non, 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 j'ai payé ça hier comme ça, une ici. Donne-moi une bière. Ça se vend pour pas que tu m'en aies. Ça se vend pas. Et hier, pourquoi m'a donné une bière hier alors? Je vais demander à mon collègue. Va demander à ton collègue. Parce que hier, j'ai payé une bière ici. Je ne connais pas que j'ai l'argent pour payer de Pâques. Mais c'est quand même marrant cette histoire. Hein. Mais ouais, Rose, je ne comprends plus rien. Tout le monde, comme quand quelqu'un est venu chez moi, toi aussi viens alors. Tu as peur de toi. J'ai envie ta misérable pauvre vie. Tu as une vie plus meilleure que moi. Il est où? Oui, n'est-ce pas hier, tu vas la bière ici. Non, c'est que pour un. Ah, mais hier, n'est pas hier, j'ai pris une bière ici. Oui. Oui. C'était hier seulement, hein. Vous allez, oui, mais bon, on n'a pas le droit en soi, c'est. Mais il y a. Les deux. Elles sont dans le petit. Elles sont là-bas. Elles sont où? Dans le petit frigo qu'il y a devant. D'accord. Merci. Allons. Merci, hein. Non, mais il y en a plus à Maman, nous, on est. Eh, hey, on a tout pris. Alors, non, voilà. C'est où? Là-haut, mais j'en ai plus en l'unité. Il n'y a plus. Non, il n'y en a plus. Ils ont rien tout pris. Non, bah, ils ont tout pris. Non, voilà. Bon, c'est pas grave. Dis mes petits billets que j'aime souvent, mais mon petit billet ici. Là. Tout la fin, mais c'est. Oh, c'est trop la fin. Oh, mais c'est trop. Il y a des pays, il faut me faire. Allez, je veux prendre mon. Oh, elle est là. Allô? Allô? Coucou? Oui. Là, c'est bon celui-là. Le rouge là. Voilà. Parfait. Il n'y a pas de chocolat. Le chocolat, ça, la maison, maman. C'est bon.
même pas qu'elle soit déjà vous appeler, hein. C'est le mauvais cœur que vous avez fait là. Alerte, alerte. Non, tu ne peux pas prendre les petites pièces. Pourquoi tu es toujours comme ça? Ah. Hein? Voilà, ça, tu penses ça comme ça là. Tu veux toujours prendre ce qui est facile. Laisse les faciles, pense cela. Je sais, tu as dit donc, tu peux m'appeler, que tu peux m'appeler quand que c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, merci. Merci, tantôt. Tu nous as même dit quoi? Hein? Avance, monsieur. Viens, viens, viens. Okay. Et la langue, viens. Je vais chercher là où je vais boire une bière, c'est gratuit. Mais c'est quoi, mais ce truc, c'est qu'il y a même pas de bière gratuite ici. Bon, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de bière gratuite. Ah, tiens. Il y a la Cronambo. Voilà. Je vais boire d'abord ici. Oh. Oh. Un magasin, c'est comme ça. Si tu as sorti en dedans, tu bois une bonne bière. Mais tu ne peux pas sortir avec, tu bois que dedans. Maman? Non, mais voilà, mais l'affaire de taper, me taper si. Hein. Ça fait même que j'avais pitié de moi. Donc, tu penses que si je suis à Paris, je veux quitter, je veux sortir de quitter de chez moi. Je veux peur de sortir de chez moi parce que toi, Ngama, tu vas venir me faire quoi? Mais il faut venir. Hein? Tu n'as aucun contrat. Aucun contrat. Hein, maintenant, c'est que tu n'as pas encore signé le contrat. C'est quand on va signer le contrat que tu seras. Maman, tu n'auras rien. Ce n'est que la femme va t'abattre sur toi. La peinture du zoo, je te déteste. Ben, laissez un peu la France, elle dérange que Namongo, laissez Namongo, elle est là avec sa grand-mère. Hein? Si on reste à la maison, on va s'ennuyer là-bas tous les deux. Jusqu'à ses parents vont Alice va rentrer jusqu'à 3h du matin. Quand je sors, je suis pas avec elle comme ça là. Et puis ici, le magasin est climatisé, donc on est déjà un peu. Parce que nous n'avons pas les deux pour aller boire dehors. Je vous ai demandé les vidéos, s'il vous plaît, envoyez-moi des petites vidéos. Des petites vidéos de TikTok, envoyez-moi vos vidéos de TikTok, je vais mettre dans ma page, je vais mettre dans mon réel, s'il vous plaît, dans mon réel, s'il vous plaît. Après, ça va m'apporter l'argent, vous allez me donner l'argent. Les caméras sont tous moi haut. En tout cas, vous parlez. Encore moi. Mais tu n'es pas content de me voir. Moi, au moins, j'anime Facebook. Avec mes joues. Ne vous inquiétez pas, je vais aller le dire ce soir. Ouais. Quelqu'un peut m'envoyer 50 euros là. C'est chaud ici, il y a sur un. C'est chaud ici, monsieur. Viens, viens, viens. Tu as pris ça, regarde sa tête, regarde sa tête. Jiwaros, Jiwaros. Jiwaros. Fais Jiwaros. Attends, non, fais bien. Jiwaros, Jiwaros. Jiwaros, Jiwaros. Non, fais bien. Jiwaros.
Ok, si la porte reste, si la porte reste avec moi, elle va changer la vie. Tiens, viens pas. Non, pas de glace, pas de bonbons. Mais quand je sais que j'ai faim, j'ai un magasin, je mange bien, je sors, je pars, je bois. C'est pour les gens qui ont des papiers, hein. Si vous êtes sans papiers, no good for you. Hein. C'est interdit de boire dans le magasin, madame. Ah bon, hein? Eh oui. Mais tu veux que j'aille boire alors ou dehors? À Paris, nous, on boit dans les magasins, hein. Non, mais on revient en soleil. Allez, avec Vanessa. Et non, mais toi, tu me souviens comment? Tu vois que je suis devant, toi, tu es derrière. Hein? Hein? Viens, pas, viens, pas, viens. On est habillé. À bientôt. Viens, on y va. T'as vu le bébé? Regarde. T'as vu? Le bébé? Bien. Bah ouais, attends. Vous devez trop discuter, il y a encore quoi ici? Là-bas, je reste en guerre. Vous êtes là, vous faites encore la guerre entre vous là-bas. La seule guerre qu'il y a, c'est moi qui mets la guerre ici à Facebook. Vous venez entrer dans mon chien, vous faites la guerre entre vous. C'est bien ça. Hein? Ma, mets bien tête de moi, hein. Si tu crois qu'à mettre tête de moi, on va prendre des tirettes. Si tu vas en prendre, c'est pas grave. Si on prend ici, je vais aller ailleurs. J'ai d'autres comptes. Donc, c'est peine perdue. Mais mon compte là n'est pas bloqué. Hein. Mon compte là n'est pas bloqué. Mon compte est là-bas. D'ici là, d'ici demain ou même jusqu'à même à minuit même. Je veux revenir le lendemain, on va encore remettre tout en ordre. Tu comprends, non? Donc voilà, je demande que mes gens, moi, mes wallets, ça m'envoie des petites vidéos. Ceux qui veulent des publicités, me font des publicités. Je vais dans ma page. Comme le projet fait, je parle là. Vous voyez comment pour nous projet, il y a des restrictions partout. Viens, on passe par ici. On est passé déjà deux fois là-bas, on est remarqué là-bas. Tu es à froid? Tu es sérieuse là? Are you serious? Are you serious? Hmm? Toi si, tu as froid. Toi si. Attends. Elle dit que d'abord qu'on va me tuer un jour. Allez. Viens, on passe par ici. Il y a du monde là-bas. Viens. On passe ici. On passe par là. Allez. Avance. Tu vas avoir le panaï dans tes doigts. Ça ne sert à rien. Est-ce que tu vas avoir le panaï dans tes doigts? Donc, continue à mettre les têtes de moi. Vous aussi mettez les cœurs, non? Hein? Colette, c'est quoi? Colette, t'es bien, c'est quoi? Non, non, ça a roté. Non. Mais j'ai plus jusqu'à. Non,
Avance. Derrière toi, il y a une chaise. Voilà. De l'autre côté. La star. Et Namango va être comme biscuit de mer. Mais pas de qualité. Très belle. Elle a son petit noboulot qui sont là derrière. Pourquoi pas un noboulot? Quoi? Ta maman. Tu vas la voir que demain, ma. Viens ou pas? Tu as le choix. Maman, tu es. Avant, tu vas préparer le porc, mange. L'angassi aime les problèmes comme sa grand-mère. Stop. Elle te lâche, hein? Ok, vas-y, alors dans ton couche. Moi, je pars là-bas. Donc, un gamba, pour finir, hein? C'est justement que, arrête de mentir, tu es une menteuse. Tu ne m'as jamais aidé nulle part. Hein? Moi-même, je suis resté comme ça là. Hein? J'ai fait mon idée de Nganda. Que je veux faire mon petit Nganda chez moi. Moi-même, tu m'as donné quelle idée toi? Tu m'as donné l'idée à qui? Hein? Mais tu as gagné 1500 euros chez Elise Battante ou 2000 euros. Et que tu m'as donné, quand on a fait le partage de porc, j'avais un gros morceau de porc, j'ai donné à ta maman. Et que tu m'as payé une bière un jour, Ngaba. Hein? Tu m'as payé une bière un jour. Parfois, un jour, on s'est croisé quelque part là-bas à Paris. Ou à 18e, j'étais payé un saut de Henneken. Viens là-bas. Comme. I love you. You love me. You love mommy. Les meubles de la veuve joyeuse. Les fruits de la veuve joyeuse, vous voyez. Oh, maman. Et que tu vas avoir le panaï. Le panaï. Oui, Jebi, que c'est qui m'a appris avec les Misunga? Ouais, tu sais, Gabab. Tu m'as appris avec les Misunga, moi aussi. Moi. Toi qui ne sais même pas faire les Misunga, c'est Bena qui t'a appris avec les Misunga. Après, Coco Lagoa a appris les relais. Tu veux nous manger les réseaux sur ce que c'est ta. C'est toi qui m'as appris avec les Misunga, moi aussi. Ouais. Yeah. Ouais, moi. J'ai l'amour de ma petite fille avec moi. Hein. Mais moi, c'est que après, là, quand elle veut partir, là, ça va être un peu difficile pour elle. Tu m'as pas la préparer? Tu m'as pas mis à cuisiner? Moi, je suis droite cuisinière. Et tu sais, tu m'appuies à faire des misunga. Et les gens croient ça. Tu peux m'apprendre à faire des misunga. Les misunga sont sucrés. En été, si je ne fais pas les misunga, je vais faire les misunga maintenant, les misunga que je paye. La carte de misunga qu'on vend le même jour. La carte de misunga que je paye le même jour, qui a encore les sang là. Les misunga, c'est le mardi et le jeudi. Oui. Comme il fait très chaud, c'est même pas la peine de faire des missions. Maintenant, l'odeur de ça, ça remplit que la maison. Elle veut m'aider à laver des missions. Oh là là, franchement. À laver des missions. Hey! Adama, on peut mentir comme ça. Elle me donnait parfois 100 euros. Ouais. Oh, je dis, c'est grave. Mais est-ce qu'elle me donnait 100 euros, moi, à peu près joyeuse? Doudou Ngamba est parti au pays. Je lui ai envoyé 100 euros. Elle était fauchée jusqu'à la nuit.
Il n'a même plus. Il avait envoyé 100 euros et c'est normal que moi si je suis au pays, elle m'envoie aussi 100 euros. Il m'a donné 100 euros. Elle était un monsieur Pachoukou qui a crié sur elle. Eh, hey, merci Pachoukou. Maman, Pachoukou sait que si elle me tue, elle va aller en prison et ils vont faire comment pour manger encore. Pour payer les crèmes. Mais attends, c'est juste. Attends. Qu'est-ce que c'est? Attends. Consultation, on dirait. Ah, bon, on est même aussi. On est chez le docteur ici. Bon. Dans mon côté, on va. Fufu, ne te demande pas ça. Maman, ça, Oli. Je te pose une question. Elle me dépasse en quoi? Tu dis que Fufu, Doudou te dépasse. Elle t'a appris la cuisine. On ne cuisine pas avec le vernis. Tous tes clients ont eu la diarrhée. C'est bon. Elle m'a appris à préparer. Où? Quand? J'ai envie de rigoler avec vous. J'ai pas. Bon, allons, allez, viens pas. Attends, regarde, parce que je n'ai plus de batterie. Je suis à 30%, ça va couper, c'est pas grave. Que, foufou, moi ici, ma foufou, on m'a appris à cuisiner. Hein. Ah bon, hein? Elle vous a dit qu'elle m'a appris à cuisiner. Elle peut cuisiner plus que moi. On ne cuisine pas pour le vernis. Depuis là, je cuisine, j'ai les clients ici. Je cuisine pour ma famille. Ma famille mange le vernis là-haut. Hein? Elle va lui dire qu'on fait un top chef. Elle est même mal de vous bloquer, ça ne sert à rien de vous bloquer. Hein? Vous ne pas que vous ne valez rien. Je ne veux pas bloquer. Que quoi? Pim, pim, pom, pim, pom. Qui a allumé le feu ici là? Ouais. La même joyeuse. Ah, pour appeler la préparer. Hein? Foufou, c'est fait le foufou. Aïe! Quand j'ai volé quoi? Les épices? La grille de qui? Bon, je sais que là vous voulez me faire parler. Continue. Elle dit que. Ça fait quoi? Si je vole les épices dans sa cuisine, j'ai préparé, je connais sa cuisine. Viens là. Ouais! Hey. On n'a pas les misunga, la veuve joyeuse. Les misunga bien rosé, bien rond. Quand tu manges ça, maman, avec le bobolo, tu penses au village ou avec le manioc. Tu penses au village. Moi, je fais des épices avec le cœur dedans. Mes épices, quand tu coupes mon épice, oui. Un peu mon misunga. Tu sens la dose de misunga sur toi comme un bombe. Vite. La veuve, après la liste des influenceurs sont arrivés chez Marco Soki, j'ai ça. Tu me vois comment les choses là. Viens. On est papa là-bas. On se promène. Viens, on va se promener là-bas. Ici, il n'y a pas trop de voitures. On perd un peu de temps. Nous sommes au quartier. Est-ce que je l'appelais pour faire quoi? Hein? Que quoi? Que je l'appelle à 3h du matin qu'elle me dépanne? Elle a l'argent, plus la voix joyeuse. Vraiment. Ah, Dudu Ngamba. Viens. Que quoi? À 3h du matin pour dépanner l'argent. Moi, si je l'appelle à 3h du matin. Ah, Camille est là. Camille, toi, tu ne veux pas de toi. Je te bloque à vie. Bah, dégage.
Voilà. Et les gens qui sont arrivés ici, les gens que tu as déjà oublié, ils pensent, ils ne savent pas que ici, ici c'est un piège. Même là-bas, c'est un piège. Allez, je dois se mettre ici. Attends, les voitures passent. Me servir parce que j'avais pas le code. Tu n'as pas le code? J'ai demandé quand c'est que je l'aurai, il m'a dit demain. Et vous voulez quoi? Je voulais te laisser la carte bleue. Pour que je fasse quoi? Si tu peux me prêter 10 euros. Non, j'ai pas 10 euros. Désolé. Mais tu peux faire quoi? Mais tu peux aller à la. Écoute. Elle n'est pas universelle. Elle n'est pas universelle? C'est une carte électron alors? Non. C'est une carte, oui. Mais il faut attendre jusqu'à demain. Parce que où je suis, non, moi, j'ai rien du tout. Mais tu veux qu'elle fasse quoi, ma chérie? Alors, je te demande. Hein. Je n'ai pas moi-même. Moi, ce que j'avais, j'ai payé mon Moscato, là, que je veux voir la maison, c'est tout. Je n'ai pas. Ah, 5 euros, d'ailleurs. Mais je n'ai même pas 5 euros, je n'ai que des pièges. J'ai 1 euro, tu vois 1 euro. Hein? Je non, n'ai pas. Je hein? J'ai quand même pas. Bah oui, mais bon. Moi, je n'ai pas d'argent. Elle dit que quoi? Il y a tellement de commentaires que je ne vois même pas ce qu'on dit. Maman, il y a que les pauvres qui viennent voir la femme. Moi, je n'ai même pas 1 euro. C'est moi, il me reste que 1 euro là. Quelques centimes. Stop! Viens, viens, viens. Là, 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 on vient ici. Ouais, tête pincée, c'est comment avec toi? Toi, tu es que dans les cancans d'histoire. Bah, quoi? Tu veux pas qu'on aille jouer? Tu veux pas qu'on aille jouer encore dans la maison, hein? Je t'ai même fait une surprise. On y va. Tu connais, non? Une surprise. Allez, avance. Oui, avance pour la surprise. Oui, quoi? Tape là. Tape là. Ouais. On y va. Peut-être, comme j'ai dit que j'ai l'argent et tout. Je vois que je manque. Tout un gaba quoi, est-ce que le monde est pareil? Moi j'ai l'enfant que j'ai nourri les enfants. Non. Tout ce qui est à moi, c'est à moi. C'est moi qui donne aux autres. C'est tout. Vous ne pouvez pas dire rien. Tout un gaba, franchement, on t'appelle que pitié si on fait une. Excusez-moi, la cité médiévale, c'est où? Oui. Madame, bonjour. La cité médiévale, la cité, c'est où? C'est même pas la cité médiévale. La cité médiévale. C'est tout droit. Vous prenez, vous passez par. Ah, c'est là-bas, il y a le château là-bas, c'est ça? Et après, normalement, c'est indiqué par les panneaux et tout. Les panneaux. Vous allez le voir de l'autre côté. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Aïe. Ouais. Facebook. Mm.
Doudou reverse l'argent de, pour la... Maman, je te connais pas, oh. Elle reverse l'argent pour quoi? Les associations de quoi? Lève-toi, dis donc. G-Warriors, G-Warriors. Warriors. Warrior, warrior, warrior. Warrior. Zène la guerrière, warrior, warrior. Assis, assis, assis. Non, je veux seulement voir, je ne parle pas là-bas. Mais, oui. Ouais. Ouais. Qui passe chez... Vous êtes parti au Qatar. Ok. Le Qatar de ça. La cité médiévale là. Le problème, c'est qu'on pourrait bien aller là-bas. Ça, Oli, je crois que tu as mon macabre, hein. Tu me vois d'abord aller au Qatar, je vais foutre quoi dans les pays comme ça. Hein? Enfin, je vois y aller les Arabes, parce que je n'ai pas d'abord dans un pays d'Arabes. Tu es malade, on t'a dit que tu m'en mets dans la marmaille. Qui vous a dit que vous parti à la canne? Qui vous a dit ça? On n'a jamais été invité par la canne, hein? Vous voulez entendre? Pas le chapeau! Qui vous a dit ça? Stop! Merci. Je ne veux pas mon singe. Hein? Tu sais pas que le singe et l'être humain se ressemblent. Vu que j'ai dit que c'est un grand honneur pour moi si je sais mon singe. C'est un grand honneur. Oui, c'est quoi que nous sommes nos singes? Viens. Comme il y a comme. Et pour moi, ma petite fille. Regarde, la tête du bébé là. Ah, c'est marrant, tu vois. C'est le bébé. Qui est devant lui? Qui est devant lui? Pousse le bébé. Pousse le bébé. Hé, hey, comment bon? Passe une joke, c'est comment? Je suis avec. Elle va pousser. Aïe! Tu as fait un bobo?